Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Flora Butterflix où mon chien vient de tout défoncer, merci, on aime. Donc je disais, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Flora Butterflix, donc qui est ma poupée préférée en Butterflix, tout simplement parce que voilà, je la trouve très mignonne en Butterflix tout ça. Même si Musa est aussi très jolie, mais en Butterflix je préfère Flora. Donc voilà. Donc dans celle que j'ai en tout, c'est tellement préféré parce que je la trouve magnifique en Butterflix. C'est une vraie je disais, je la trouve splendide en Butterflix, c'est une vraie merveille. Excusez-moi pour les couinements de mon chien, mais elle est jalouse parce que je la caresse plus et je m'occupe de faire ma review. Voilà. En plus les ailes, ils font des effets. Ils font de la lumière, donc elle est débile. Voilà, elle est débile. Donc désolé pour vos oreilles, mais bon, je n'ai pas envie d'enfermer. Donc elle va rester là. Donc voilà, entre temps il y a un petit peu d'endroit où ça sera un peu plus calme. Voilà, même si vous allez entendre mon chien crier au loin. Donc, avant de commencer cette review, je voudrais... Donc elle a eu un petit problème ici à sa coque, donc vous pouvez le voir. Sa coque était comme ça dans la boîte, donc vraiment très déformée. Donc ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai et je l'ai mis sous des cartons beaucoup de temps. Ça s'est toujours pas réparé, donc je suis vraiment un peu dégoûtée. Donc voilà. Donc j'ai enlevé cette aile parce que comme ça fait moins d'ombre et ça fait moins de lumière qui se met avec les ailes quand vous mettez au flash. Ça fait énormément de lumière et d'ombre sur mon chien qui ne porte pas. Donc désolé pour le bouchon, c'est mon chien qui aboie. On va essayer de crier un peu plus fort. Je suis désolée pour cette mauvaise, ce mauvais son tout simplement. Je ne peux pas faire autrement car je dois garder mon chien. Donc alors, son make-up est composé, donc c'est à ses yeux verts, comme toutes les Flora, voilà. Ensuite, elle a du maquillage rose avec des paillettes qui est vraiment très très joli. Elle a deux mèches blondes qui tombent ici comme ça devant. Assez longues hein, les mèches. Et derrière, elle a sa petite... sa spirale plutôt, je sais pas comment on dit ça. Mais sa petite spirale, voilà. Et ses cheveux ne sont pas de très très bonne qualité, comme vous pouvez le voir. Donc une petite mèche blonde aussi. Ensuite, pour ce qui est de sa tenue, elle a une robe. Donc on va enlever sa coque. Hop. Donc elle a une petite robe avec deux petites manchettes en tuiles ici et trois couches de tuiles ici, donc voilà, comme ça. Sa coque qui est verte et donc qui est très très jolie. Je trouve que les coques en Butterflix, ils ont bien fait ça parce que dans le dessin animé, leurs robes ne sont pas aussi jolies qu'en poupée, je trouve. Après, c'est mon avis. Pour ce qui est de ses bottes, elle a deux paires de bottes roses. Une paire de bottes roses. Donc la botte, elle a des formes dans... Voilà, sa botte a des formes. Je ne sais pas comment trop dire. Et on dirait que ça part en forme d'aile ou je ne sais quoi. Que je trouve très mignon, voilà. Avec plein de petits cœurs là, on dirait. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de ses ailes. Donc ses ailes sont... Batte comme ça, d'avant en arrière. Voilà, donc vous voyez, ça fait. Voilà, vous voyez, ça fait des. Et cinglé à cause de ça. Donc voilà, sur les ailes, il y a plein de petits dessins très mignons. Donc, et ici, ça tient avec un petit enfant sur le cœur. Donc voilà, les ailes sont très jolies. Donc on va tout remettre à la poupée et je vais vous la montrer en entière. Donc voilà pour ce qui est de la poupée en entière. Donc elle est très mignonne. Je la trouve vraiment très très jolie. Donc désolé, la luminosité va baisser et la qualité va devenir un peu plus bof parce que j'ai enlevé le flash. Car sinon mon chien va devenir cinglé et vous n'allez plus rien entendre à la fin de cette review. Donc je trouve... j'ai aussi eu sa brosse avec que je n'ai pas... Sur moi, donc sa brosse, c'est les mêmes brosses que les Sofix, donc voilà, je ne sais pas comment vous la décrire, mais je ne l'ai pas sur moi. Voilà, parce que, tout simplement, je ne peux pas l'avoir sur moi maintenant. Voilà.
Donc voilà. Donc en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont oublié chez cette poupée énormément de détails qu'ils auraient pu faire la poupée très très jolie et un petit peu plus ressemblante au dessin animé, même si ce n'est pas ce que je cherche le plus. Car moi, leur robe dans le dessin animé, je ne suis vraiment pas très fan. Alors qu'en poupée, j'adore vraiment, je trouve que c'est... Ça a changé, mettre une coque, même si la coque est un peu abîmée, voilà. Mais bon, je trouve que qu'en poupée, ils ont très très bien fait la poupée, elle est magnifique. Ils ont juste oublié les petites manchettes parce que leur bras est un petit peu vide, je trouve. Et leur pince papillon qui aurait pu faire très très joli. Voilà. Donc si j'arrive à la customiser pour qu'elle ressemble un peu plus au dessin animé au niveau de ses accessoires, je le ferai. Mais pour l'instant, il faut que je trouve déjà les pinces papillons. Désolée pour ma voix, mais elle part un peu en cacahuète. Car je suis malade. Donc voilà, c'est la fin de cette review. On se retrouve très bientôt pour d'autres reviews. Désolée encore pour mon chien qui a fait 50 millions de bruit pendant que j'étais en train de tourner. Mais elle avait envie de participer à la vidéo, comme celle de Layla. Donc, pour tout vous expliquer, je ne peux pas... Quand il y a mon chien qui vient couiner après... c'est parce que je ne suis pas dans ma chambre, parce que tout simplement ma chambre est soit en bordel total et il faut que je la range, ou soit je peux tourner dans le salon et je préfère parce que le décor est un peu plus joli. Voilà. Donc c'est la fin de cette review et on se retrouve bientôt pour d'autres reviews avec les Tiny Knicks.